Il y a tellement de migrants, tellement de Guinéens qui sont non seulement sur le parcours, c'est-à-dire bloqués dans des pays. En Libye aussi, on n'en parle pas. C'est par ville en fait et par campo qu'ils sont placés. J'ai séjourné en Algérie pendant 3 ans et j'ai traversé le désert. C'était difficile, très difficile. Parfois, c'est mortel. Moi-même, j'ai trouvé des amis là-bas. Ils étaient déjà morts au Sahara. Il y a des amis qui m'ont dit, bon, comme ton mari elle est décédé, après ton enfant est décédé, donc il faut rentrer chez toi. Donc j'ai dit, comment rentrer chez moi, j'ai pas d'argent. Ils m'ont dit, ah, il y a un OIM, il peut beaucoup t'aider à rentrer chez toi. À l'aéroport, on nous a donné des téléphones avec d'argent pour transport de départ pour venir à la maison. Par après, ils ont dit qu'ils vont nous appeler dans 3 mois. C'est pas difficile parce qu'on a suivi plus que ça vers l'aventure. Donc, ce qu'on fait là-bas et ce qu'on fait ici, quand même, moi, je préfère ici. Bon, depuis à mon retour, je peux de Dieu merci quand même. Les OIM, ils m'ont aidé beaucoup à beaucoup de choses parce que j'étais venue. J'étais tellement malade, on m'a aidé à me soigner, tout ça là. À un moment, on s'est dit qu'on peut cultiver aussi. Parce qu'on est dans une région que cultiver du riz, ça, c'est rentable. J'ai dit la meilleure chose est de créer des conditions qui peuvent lui permettre d'avoir une formation, d'avoir un métier. L'association vraiment a un grand rôle à jouer auprès de ces jeunes migrants. Il faut qu'on les explique comment nous on a été réintégrés et qu'est-ce que nous on fait sur le terrain pour les encourager afin de non seulement de se constituer en des groupements et de monter leur projet de réintégration et de venir auprès de l'association. Je peux dire que le retour n'est pas fatal en fait. On peut se retourner, mais après se construire quoi. Pour la majeure partie des migrants, ce n'est pas facile, mais j'en connais plein qui évoluent. Certains même dans leurs activités de réintégration, ils sont devenus aujourd'hui des grands.